Mon nom est Mira Sylvain. J'habite à Jurouville, en Alberta. J'ai 17 ans et je fais de l'entraînement physique. J'ai commencé de faire du sport quand j'avais environ 4 ou 5 ans. Je jouais au soccer, je faisais de la gymnastique. Mes parents ont vraiment voulu qu'on soit actifs pendant notre jeunesse. L'activité physique m'apporte de la liberté. Ça me permet de un peu lâcher les affaires de tous les jours, puis ça me laisse du temps à passer du temps avec juste moi-même. Puis après avoir fait l'exercice, c'est comme si quelque chose de mal s'était passé pendant la journée, c'est tout parti, puis je me sens beaucoup mieux. Le fait que je me sens tellement bien après l'activité physique me motive à me lever le matin, même si je me sens pas bien, puis d'aller au gym. Je sais qu'en fin de compte, ma journée va mieux se passer si je bouge que si je reste dans mon lit et que je fais rien. La leçon la plus importante que j'ai apprise pendant tout mon entraînement, c'est de quand même me donner du temps pour reposer mes muscles, au moins une fois par semaine. Puis j'ai aussi appris l'importance de s'étirer après avoir fait de l'entraînement physique à cause que les muscles ils ont tellement besoin de juste s'étirer pour que tu te sens mieux la journée d'après. En plus, ça va améliorer ton rendement de ton prochain workout. Ce qui m'attire le plus dans l'entraînement physique, c'est le développement personnel que ça m'offre parce que je trouve que l'entraînement physique m'a offert la discipline, la persévérance et beaucoup d'autres aspects de caractère que j'utilise à tous les jours. Tu as besoin de la discipline pour quand même aller puis bouger puis participer dans juste, que ce soit des pratiques de sport ou juste un entraînement physique au gymnase ou dehors. Il faut quand même que tu le fasses sur les journées où tu n'as vraiment pas envie. Je joue au volleyball aussi, je joue dans une équipe club, puis j'apprécie beaucoup nos tournois, j'adore gagner des jeux. Je trouve que c'est aussi très important de perdre des jeux à cause que ça te fait grandir comme personne. Aller au gym, puis si c'est trop intimidant, aller sur l'internet puis trouver des vidéos ou des personnes qui le font, puis juste essayer de suivre ça. Tu peux faire des workouts chez toi maintenant pour les gens qui savent pas trop comment faire. Tu peux aussi embaucher un entraîneur personnel, puis ça peut beaucoup, beaucoup aider. J'aimerais beaucoup améliorer les différentes choses que je fais au gym. Je trouve que je suis un peu limitée en étant qu'une personne qui vit dans un endroit très rural. Donc quand je déménage en ville pour l'école, j'aurai la chance de participer à des cours au gymnase à l'Université de Calgary, puis j'ai vraiment hâte.